got you high and you don't even know. Yeah, she's got you high and you don't even know. Yeah, the sun's in the sky, it's warming up your bare legs, and you can't deny you're looking for the sunset. She's got you high and you don't even know. Yeah, she's got you high and you don't even know. Yeah, so search for the time. Le degré de liberté des femmes montre le progrès d'une société dans laquelle on est. Et je trouve que c'est très important que ces femmes et ces enfants soient protégés. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Il y a des femmes précaires, il y a des femmes en foyer monoparentaux qui élèvent leurs enfants dans des conditions horribles, qui sont obligées d'aller se prostituer pour pouvoir leur donner à manger. C'est impossible de tolérer ça dans un pays comme la France. Via mon histoire, j'ai découvert que les femmes violentées ne bénéficiaient pas de beaucoup d'assistance dans leur souffrance. Et que leurs paroles étaient très peu écoutées. Dès lors qu'on a découvert ça, si on peut faire quelque chose, je considère que c'est un devoir citoyen et humain. Moi, je suis effarée de voir que ce combat contre les violences faites aux femmes, contre la précarité faite aux femmes, n'est pas une cause nationale, au même titre que, je ne sais pas moi, la sécurité routière, dont on nous dit que c'est en effet épouvantable. Mais je veux dire, il y a plus de femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons tous les ans que de tuer sur la route à un moment donné. Donc c'est ça qui est terrible. Le nombre de viols en France est constant et il ne baisse pas. Et on a une législation qui est invraisemblable, qu'on n'arrive pas à avoir... Les politiques ne s'engagent même pas tous, comme si ça n'était pas évident. Oui, et que les crimes, la pédophilie, l'agression sexuelle, le viol ne soient pas imprescriptibles, comme par exemple c'est le cas au Québec, où on peut en effet 20 ans, 30 ans après porter plainte, je trouve ça incroyable. Le problème, c'est déjà faire appliquer les lois qui existent. Et faire évoluer les mentalités. C'est aussi une question de priorité aussi. Oui, bien sûr. Et évidemment, les gens aujourd'hui, avec l'état de... Moi, j'ai pas compris. Malheureusement, ça rentre dans la politique, comme d'habitude, que c'est un sujet qui nous concerne tous, mais c'est aussi un sujet qui commence à être un tout petit peu pénible et un tout petit peu ennuyant aussi, parce qu'on parle que de l'argent, que de pouvoir, pouvoir des gens, pouvoir de la média. Et je trouve que à cause de ça, ça nous évite de targeter des vrais sujets là, des choses qui doivent être actionnées. Oui, les Français sont en retard à ce niveau-là. She's gone.